Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 en mode multi. Donc c'est un glitch qui consiste à débloquer tous les équipements des spécialistes en or, donc la tête et le corps. Donc voilà, alors profitez-en un maximum avant que ce soit patché, parce que je pense qu'il va pas rester extrêmement longtemps, c'est déjà 3 jours qu'il y est. Donc voilà, alors première chose qu'il vous faudra, c'est un joueur qui sera disponible à votre disposition pour rester simplement dans le mode zombie et dans partie personnalisée qui ne bouge pas quoi. Il vous attend là, donc moi j'ai trouvé Tommy Tom, donc grosse dédicace à toi Tommy, merci à toi. Donc là ce que je vais faire, là c'est que je vais faire rond, voilà, lui il reste là, il reste dans partie, c'est comme si, lui il est, voilà il est là, il est dans zombie, il peut même aller dans partie personnalisée comme ça, ça revient en même. Non, faut pas qu'il aille dans partie personnalisée, attendez. Parce que sinon je vois pas l'affiche, attendez je regarde là, si je vois l'affiche. Ouais là je vois l'affiche, ouais donc non ça va, je vois l'affiche, je pense que même s'il est en partie personnalisée, je verrai l'affiche. Donc voilà, alors vous quittez le groupe, hein. Vous lui demandez qu'il reste dans son groupe, parce que vous allez le re-rejoindre. Donc là vous allez dans multijoueur, vous allez dans partie publique, moi je vais aller dans spécialiste pour vous montrer que je n'ai pas débloqué, que j'ai rien de débloqué, ben, parce que je joue jamais aux zombies. Et vous allez voir que j'ai débloqué, que je vais débloquer tout, tout, tout. Donc j'ai débloqué. Ah ouais, voilà. J'ai débloqué tous les spécialistes hein, pour vous montrer que ça fonctionne bien avec tous les spécialistes. Donc attendez, hop, triangle, tête. Vous voyez bien que j'ai rien du tout. Et là, je vais tout débloquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est on va, je recommence, on va en multi. Vous allez en partie personnalisée. Vous allez dans, vous appuyez sur triangle, vous rejoignez la personne qui est en partie privée. Donc hop, vous rejoignez, hop, voilà. Ensuite, bah, elle peut vous inviter, hein, si jamais elle peut vous inviter. Ensuite, vous faites R1, voilà. Vous devez aller dans armes classiques et thèmes, vous appuyez sur carré. Ça va vous éjecter directement. Au moment où, ça vous échec, vous quittez le salon, vous retournez dans multijoueur. Vous allez dans partie publique, vous allez dans spécialiste, dans marché noir, vous achetez un ravitaillement standard, voilà. Donc là, vous êtes obligé d'acheter un ravitaillement standard, voilà. Ça, c'est bon, ok. Retour. Et là, vous retournez dans spécialiste. Et regardez, à ce moment-là, comme j'ai acheté un truc, une caisse rare, enfin non, une caisse standard, dans le marché noir, je suis toujours en partie publique et regardez en haut à droite, j'ai mon niveau de zombie avec mes bubblegum de zombie. Donc à ce moment-là, vous savez que vous avez tout débloqué. Et là, regardez, vous avez plus qu'à personnaliser votre personnage et vous avez toutes les accessoires, donc tous les casques et tous les corps en or. Donc je pense pas que ça débloque autre chose. Non, ça n'a pas l'air de débloquer les autres. Et bon, voilà, vous avez quand même les têtes et les corps, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là je vais faire avec tous mes personnages. Donc je pense que dès que vous en êtes équipé, donc on va faire le test. Là je vais mettre tous mes personnages en or. Je vais sûrement couper la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, regardez, personnalisé. Donc là il est tout en or. Tout en or. Encore en or. Franchement c'est quand même stylé ce glitch. Hein. Profitez-en un maximum parce que faites-le dès que possible, parce que si le patch vous serez baisé. Donc il faut savoir que Tommy je le connaissais pas. J'ai juste été dans mes amis, j'ai cherché un joueur qui était dans un salon comme celui-là, rejoignable, partie privée ou quoi. J'ai trouvé Tommy qui était dans un salon et qui jouait pas, qui faisait rien. Donc je l'ai rejoint, donc vous n'êtes pas obligé, si vous avez personne, bah regardez dans votre liste d'amis s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le salon zombie et qui ne fait rien, faites le glitch avec lui. Donc vous n'avez pas besoin non plus de chercher absolument une personne, si vous avez une personne dans un groupe, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en plus Ah mais voilà, je voulais faire le test, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais quitter, on va tout quitter, hop, voilà, je relance. Et on va voir si j'ai toujours les trucs. Parce que là, on peut voir qu'en haut à droite, ben, j'ai plus mes bubblegum. Hein. C'est YouTube, soit cool. Voilà. C'est niveau en multi. Donc si je retourne dans spécialiste et que je retourne dans équipement, normalement tout doit être bloqué.
effectivement, tout est bloqué. Donc, dès que vous l'équipez, bah, vous ne pourrez plus le rééquiper sauf si vous refaites le glitch. Donc voilà, hein. Maintenant, c'est fixé, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. J'espère que oui, hein, normalement, je ne fais pas de glitch en multi parce que les glitches en multi, c'est pour salir le jeu des autres. Donc voilà, je fais que sauter en multi. Donc je ne pense pas que je salis le jeu des autres, hein, parce que les autres peuvent me tuer. Bon, après, moi, ceux qui sont dans mon équipe, ils ont qu'à quitter et se faire un groupe entre eux. Hein, voilà, ouais, je ne suis pas à la cause de tous les problèmes non plus. Donc il y a beaucoup de personnes qui me proposent des glitches en multi, mais ça ne m'intéresse pas, parce que si maintenant je trouve un God Mode en multi ou un Wall Breach en multi, vous allez tuer tout le monde. Déjà, vous risquez des bans parce que vous salissez le jeu des autres et que voilà, c'est pas bien du tout pour les autres, les joueurs légitimes. Donc voilà, moi je propose pas de glitch en multi, sauf des petits glitchs comme ça pour les accessoires, pour débloquer, etc. Ou pour de l'XP, donc voilà, ou des clés de cryptage, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, s'il vous plaît. Un grand merci pour ma précédente vidéo. On a atteint plus de 250 likes, c'est vraiment énorme. Donc je vous en remercie à tous, parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir que mon travail, ou notre travail, parce qu'on avait travaillé à plusieurs sur le glitch précédent, est autant aimé et apprécié. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça me pousse à faire encore du bon travail, du meilleur travail. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube, et n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.